Eh bien salut à toi jeune petit charognard, comment tu vas? Moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo FIFA, sur Ultimate Team forcément. Pour une nouvelle vidéo les gars, aujourd'hui j'ai découvert une nouvelle pépite, donc voilà, j'en ai entendu parler un petit peu sur les réseaux sociaux, enfin pas les réseaux sociaux mais genre les forums FIFA etc. Et donc il y avait pas mal d'anglais qui m'ont dit, ce mec là il est bon, ce mec là il est très très bon, en plus de ça, il joue dans le championnat de Belgique et je le connaissais pas, donc voilà, il joue à la Gantoise, donc il s'appelle Moses Simon. Voilà, donc je le connaissais pas, je vais pas te mentir. Il est né en 1995, en 1995 pour les Français. Il fait 1m68, donc c'est à peu près la taille de Messi. Tu vas voir pourquoi est-ce que je dis ça. Il a 5 étoiles mauvais pied et il a 4 étoiles de geste technique. Donc pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? C'est pour vous présenter le nouveau Messi en carte argent. Donc voilà, il a 71 de général, donc 71 de général. C'est un buteur comme Messi. Et donc sa carte c'est 90 de vitesse, 70 de tir, 62 de passe, 79 de dribble, 26 de défense et 59 de physique. Alors moi les joueurs qui ont pas beaucoup de physique, c'est pas mon kiff, mais comme il a beaucoup de vitesse, ça peut peut-être compenser. Donc on va tout simplement voir ça, je l'ai acheté pour 950 crédits. Peut-être qu'il va augmenter durant les prochains jours, donc voilà, n'hésitez pas à vous dépêcher d'aller l'acheter. J'ai mis dans une équipe de Bundesliga, même si comme je l'ai dit, il joue en championnat belge. J'ai mis un attaquant nigérian à côté pour le collectif qui joue en Bundesliga aussi. Et donc voilà, lui par contre je le connais pas, donc ce sera aussi une bonne occasion de le tester. Voilà, tout simplement on va faire un petit match de boucle les champions, donc je suis en 8ème de finale et puis voilà. Voilà, regardez la tête de José Mourinho sur la carte, tout vénère ça merde. Premier dribble, ça passe bien. Oh là, pas mal. Allez, allez mon petit Simon, en finesse, bien, très très bien. Voilà, pas mal, donc tu vois, il est assez rapide, il est assez petit, donc il est assez agile, donc ce qui fait que les dribbles passent forcément mieux, et après, bah, la finesse, parfait, franchement, parfait. Pour un joueur argent, c'est magnifique, donc voilà, je suis assez content pour l'instant. Essaye de se faufiler, bien le crochet, magnifique. Oh, fiasco, 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 ah, il fait mal, ah, il fait mal, ah là là, ça fait mal, je vais pas te mentir. Il est venu, il a crocheté tout le monde, il a cassé deux reins, il a mis une roulette, deuxième rein cassé, et le gardien, il a rien vu passer. Hein. Alors, Victor Valdez, c'est ma biatch ce soir, c'est un truc de ouf. C'est rapide, hein. Oh, il n'y a pas à dire, il est trop rapide. Allez! Ah! Mais marqué au moins! Bien! Donc voilà, encore une fois, une action de bah, Simon Moses. Enfin, Moses Simon, enfin bref. On va appeler Moses, ok? Donc, ou Simon, c'est comme tu veux. Donc, voilà, il a bien débordé, il a bien... il a bien fait son taf, pour l'instant, ça va. On va essayer de mettre un triplé avec. Voilà, moi, quand je fais une vidéo, que quand je fais une review, j'aimerais mettre un triplé avec le joueur. J'en suis pas loin, je suis déjà un doublé, donc... Hop, merci, 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 bon là je vais aller tout seul face au but, hein, je vais pas te mentir, et il me donne une passe, je vais pas faire non désolé, je sais pas quoi, on va aller faire la passe, voilà, et hop, petit lob qui fait plaisir, et c'est le quadruplé de monsieur Moses Simon. Voilà, lob du prof, dédicace à Abdoulaye Sarr. Allez, bim, goal. Il a défoncé le gardien. Je peux te dire que ce mec, il a détruit l'équipe entière en face. Il les a mangés. Voilà. Je suis franchement choqué. Voilà. Oh là là. Bim, bim. Game over. Arrêter de jouer carrément. J'espère que cette vidéo vous a plu. On va regarder un petit peu sa note de match, ses stats, etc.
Donc voilà, il remporte le ballon, hein, donc il peut même en reporter deux carrément, vu qu'il a marqué 6 buts, le mec. 6 buts, il a marqué. Ça fait plaisir. Et donc voilà, on va regarder un petit peu ça le dommage. Je pense un 9,9, ça serait pas mal. Il a 9,5, c'est même pas l'homme du match. Donc le mec marque 6 buts, c'est pas l'homme du match. Alors, bravo. Bravo, IE, vous êtes vraiment très... vous êtes tellement logique dans vos trucs, là. Donc voilà, j'espère que ce petit match vous aura plu. J'espère que cette petite review vous aura plu. N'hésitez pas à l'acheter, il vaut vraiment le prix, vous avez vu, j'ai cassé du cul avec, techniquement il est bon, et enfin voilà, c'est un monstre, voilà, c'est un bon Renoir comme on les aime, tu vois, bien combatif. Mais voilà, je vais aller faire d'autres matchs par la suite, et je vais essayer de gagner le bouclier des champions pour voir si vraiment, contre de grosses équipes, il est performant. Et pour voir si vraiment, si c'est le nouveau Messi. Donc voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine, peace.